aujourd'hui une nouvelle recette de produits ménagers. Je vous propose de fabriquer ensemble des tablettes pour le lave-vaisselle. Pour fabriquer les tablettes lave-vaisselle, vous aurez besoin de cristaux de soude, d'acide citrique, de gros sel, de bicarbonate de soude. Vous pouvez retrouver ces produits dans vos grandes surfaces ou dans les magasins de vrac. Vous aurez également besoin d'un petit peu d'eau, d'un récipient pour faire le mélange, d'une grande cuillère, une petite cuillère et d'une fourchette, un petit récipient pour peser les produits, une balance ménagère et un bac à glaçons. Pour commencer, j'allume la balance. Je pose le petit récipient et je fais la tare. Je vais ensuite prendre le gros sel et je pèse 100 grammes. Je verse dans mon grand récipient. Ensuite, je prends les cristaux de soude et je verse également 100 grammes. Essayez d'être assez juste sur les quantités. Ensuite, je prends le bicarbonate de soude. Je verse également 100 grammes. Et pour terminer, l'acide citrique. Alors, si vous ne voulez pas toucher les produits, n'hésitez pas à utiliser des gants de ménage pour préparer vos tablettes. Et je pèse également 100 grammes. Ma préparation est prête à être mélangée. Je prends la fourchette et je mélange. Je prends la fourchette et je viens écraser contre les parois pour bien écraser les morceaux de sel. Une fois le mélange fait, je rajoute un petit peu d'eau. Le mélange va mousser. Je mélange vivement. La matière doit rester grumeleuse. Je prends le bac à glaçons et la petite cuillère et je viens remplir les cases du bac avec le produit. Je tasse bien avec le dosage de produits que je vous ai donné, vous aurez de quoi réaliser une vingtaine de tablettes. Alors, si ça mousse, ne vous inquiétez pas, hein, ça va sécher au fur et à mesure. Ensuite, je mets à sécher pendant environ 12 heures dans un endroit plutôt sec, à l'abri de l'humidité. Les tablettes sont prêtes, je n'ai plus qu'à les démouler. Ensuite, je les conserve dans un bocal hermétique pour les garder au sec. Je prends une dose et je la mets dans le bac prévu à cet effet. Et c'est parti! À bientôt pour de nouvelles astuces!